Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Aujourd'hui, nous allons faire un petit détour du côté de la Guinée-Conakry pour vous parler du coup d'état ou encore tentative de coup d'état contre le colonel Mamadi Doumbouya. Après analyse et vérification, il savait que Cécire est un montage par le gouvernement de Mamadi Doumbouya et on ignore encore la raison. Alors, nous avons plusieurs éléments qui prouvent que cette vidéo ou cette tentative de coup d'état a été mise sur pied de toutes pièces par le gouvernement du colonel Mamadi Doumbouya. Premièrement, le coup d'état est préparé et organisé par Abdoulaye Sissi, un vieil ami du colonel Mamadi Doumbouya, coordonné par Ali Camara, qui était arrêté depuis le lendemain du coup d'état contre Alpha Condé pour vol. Comment quelqu'un arrêté par le CNRD a pu mettre sur pied un coup d'état entre les mains du CNRD? Ceci nous laisse croire que, entre autres, il y a eu quelque chose qui ne va pas réellement. Et pour terminer, comment le colonel Mamadi Doumbouya, au lieu de mettre hors d'état des nuls les gens qui ont voulu faire un coup d'état contre lui, leur accorde la grâce présidentielle? Et nous tenons à vous rappeler que la grâce présidentielle est accordée aux personnes condamnées. Pourtant, Ali Camara et Abdoulaye Dieu Cissé n'ont ni été présentés aux autorités de justice, ni été condamnés, rien de tout cela, mais ils ont quand même bénéficié de la grâce présidentielle. On comprend donc que ce coup d'état est réellement une mascarade mise sur pied par le CNRD pour en fait prolonger son séjour au pouvoir, car cette tentative de coup d'état a donc fauché le plan de la transition et il faut plus de temps désormais pour mettre sur place le chronogramme de la transition qui était déjà en voie, comme le dit le CNRD. Et bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonnés, restez à la chaîne, partagez si vous la trouvez intéressante. À très bientôt.